Le plan comptable général, qu'est-ce que c'est ? Le plan comptable général, aussi appelé le PCG, est un document de référence qui regroupe les différentes lois, normes et pratiques qui encadrent les activités comptables en France. Il prend la forme d'un petit livret qu'il est possible d'acheter en ligne ou en librairie. Pour assurer une homogénéité des pratiques, il est mis à jour et réédité chaque année. Quelles informations trouve-t-on dans le plan comptable général ? Le PCG a deux fonctions principales. C'est au sein du livret que l'on trouve la nomenclature officielle et à jour des classes comptables, mais c'est aussi lui qui définit l'ensemble des normes comptables à appliquer. On y retrouve donc toutes les normes comptables que les acteurs du domaine sont tenus d'appliquer, telles que les règles à respecter pour la présentation des comptes, les définitions précises du bilan, du compte de résultat et des annexes, les bonnes pratiques de tenue et de transcription des règles comptables, les modalités de présentation des comptes annuels, la liste des documents de synthèse à fournir, etc. Et il regroupe également tous les comptes qu'une entreprise est susceptible d'utiliser au cours de son cycle. Ils y sont divisés sous 8 classes. Les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisation, ceux des stocks et en cours, les comptes de tiers, les comptes financiers, les comptes de charges, les comptes de produits et enfin, les comptes spéciaux.